marcher, donc c'est quand même ce que fait à peu près tous les jours. Mais vous voyez que vraiment, porter notre attention sur et l'espace et les autres, et sur quelle qualité je mets dans le mouvement, c'est pas si facile que ça. Et comment on fait pour trouver l'inspiration des mouvements à faire? Parce que moi, j'ai l'impression de toujours refaire la même chose parce que je sais pas quoi faire. Alors, bonne question. Qu'est-ce qu'on fait si jamais on ne sait pas quelle position faire? Et c'est quoi nos petites solutions? Copier. Yes, copier. C'est-à-dire que, évidemment, là, on est tous ensemble. Donc, on est autant de cerveau que de corps. Et autant d'imaginaire. Mon imaginaire est différent du tien, qui est différent du tien, du sien, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à vraiment se regarder. Et, elle fait ça, ça me fait bien de balancer. Et bah, hop, je l'ai pris. Oh, elle est posée comme ça, bah, peut-être que moi aussi j'ai envie de me poser comme ça. Ouais. Donc vraiment essayer d'aller choper, piquer, catcher comme ça. Les petites influences, on apprend beaucoup par le regard aussi. Donc voilà, essayer d'aller piquer ça. Donc ça, c'est une première solution. Est-ce que vous en voyez d'autres? Alors, après, évidemment, il y a aussi toutes nos techniques qu'on a ou qu'on n'a pas. Évidemment, ça vient colorer aussi nos gestuels. Mais moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est vraiment quand je vous dis le coup de vent, j'essaye vraiment de me dire, ah ben, ça serait quoi un coup de vent dans mon corps, quoi. Je vois bien la bourrasque, mais ça serait quoi d'avoir un coup de vent qui me prend? Et j'essaye vraiment de le faire hop, rentrer dans mon corps et voir qu'est-ce que ça change. Comment l'imaginaire et la sensation du coup de vent que j'ai venir vraiment colorer ma danse de plein de petits pigments différents. Ça répond? Ouais. Donc copier l'imaginaire et puis bah, après c'est le background.